Bonjour, alors aujourd'hui on va étudier l'identité remarquable. Donc déjà la formule, c'est a moins b entre parenthèses au carré égale a au carré moins 2ab, enfin 2 fois a fois b, plus b au carré, tout simplement. Donc cette formule il va falloir la retenir, vous comprendrez pourquoi juste après. Et donc nous voilà à quelques exemples pour que ce soit un peu plus clair. Donc là, on peut reconnaître A, comme ceci. Ici aussi, il y a A. Et les deux restants, ce sont évidemment, vous les aurez reconnus, B. Voilà. Donc maintenant qu'on a bien analysé tout ça, qu'on a la formule en tête, on va pouvoir la retenir. Hein, je vous remets la formule une dernière fois. La voilà. Donc, 2x, c'est a. Donc, par contre, là, il ne faut surtout pas oublier de mettre entre parenthèses, parce que c'est tout qui est au carré. Donc, 2x au carré, c'est moins. Donc, moins 2 fois a fois b. Donc, moins 2 fois 2x fois 4. Et donc pour finir, plus 4 au carré. Voilà, donc on a notre formule. Maintenant, évidemment, on peut simplifier. Donc c'est égal à donc 2x entre parenthèses au carré. Le truc qu'il faut faire attention, c'est le 2, il faut le mettre au carré aussi. Donc ça fait 4x au carré moins bon, 2 fois 2, 4 fois 4, 16. Donc 16x plus 4 fois 4, 16. Voilà pour le premier exemple. On en a terminé. Ensuite, pour le second exemple, 4y moins 3, donc c'est la même chose, hein. Vous faites 4y et tout au carré, donc a au carré, moins 2 fois a fois b, moins 2 fois 4y fois 3, plus 3 au carré. Et donc, on simplifie encore une fois. Et ça donne 8, 8, pardon, 16 y au carré moins 2 fois 4y, ça fait 8y. Et 8 fois 3 fait évidemment 24. Donc, moins 24y pour tout ça. Plus 3 au carré, cela fait 9. Et voilà. Donc maintenant, vous savez faire l'identité remarquable numéro 2. Au revoir.